Espèce de sale. Hello, bonjour à tous et bienvenue pour la suite de Crash Bandicoot Insane Trilogy. Écoutez, après avoir vaincu Monsieur Entropy, on va pouvoir aller en vacances 4. Ça, la World Zone 4. Et on commence forcément, hein, c'est logique. Avec Tomb Raider, le niveau 20. Bah oui, on le fait à l'envers. On n'a pas Engine qui vient nous montrer ses dents, d'accord. Ah, je suis déçu, monsieur Engine. Je suis vraiment déçu pour le coup. Ah là là. Ah oh, mais il a voulu se retourner vers... Il est pas bien, lui. Bon, je suis un peu sceptique au niveau de l'eau sur ce niveau, vous voyez. Je suis un poil sceptique, ouais. Je comprends du coup le fait qu'il y a de la quantité, etc. Mais ouais, c'est... Ouais, vous voyez, ça, ça fait bizarre, hein, vous avez vu comment on voit Crash, hein, quand il y a de l'eau, ouais. Regardez, c'est compliqué, quoi. C'est comme si il était tout fin, quoi. C'est bizarre. Enfin bref, on n'est pas là pour critiquer, on est là pour regarder, pour jouer, pour s'amuser, etc. Voilà, et pour faire de préférence si vous voulez, bien sûr. Eh ben nous on est passé. Ah tout. Alors attention. Alors cette zone bonus de Tomb Raider. Qu'est-ce que c'était? Oh putain. Merci Crash, merci. Je suis content que tu aies voulu celui-là. J'ai eu un énorme doute. Et bien voilà. Un, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. Alors attention de ne pas faire la connerie. Voilà. Ça, c'est fait. C'est plus à faire. On attend quand même que ça explose au cas où, parce qu'il serait capable de nous faire l'envers, voilà, c'est ça. Donc voilà, deux vies de plus. Ah, ça fait du bien de commencer avec un peu plus de vie quand même, oui, ça change. C'est vrai que la semaine dernière, on n'a pas gagné de vie, quoi, sur la vidéo. Donc, valait mieux, hein. Valait mieux. Alors lui, il va faire beaucoup d'enfer, non? Ça va. Il fait moins un boucan d'enfer que dans l'original. C'est plus appréciable, je vous l'avoue. Par contre, c'est toujours l'enfer pour le speedrun, hein, ces endroits-là. Toujours cette envie de le couler, celui-là, mais bon. On va éviter, hein, voilà. C'est bien. Ah bah on va même se mettre là pour être tranquille. Ah. Y'a bon. Ah c'est bon aussi les y'a bon, hein, ouais. C'est des genres de gâteaux de riz ou gâteaux de semoule, je sais plus. Voir les deux. C'est bon. Ah, c'est quoi ça? La mort déjouée. Ça viendra, en effet. Merci pour le bonus. Oh putain, pourquoi j'ai pris le bonus quoi déjà? C'est génial. Écoutez, je le prendrai la prochaine fois. De toute façon, j'ai le 13 et le machin a recommencé, donc c'est pas si grave. Bon, il a voulu me le mettre envers lui, ouais. Le cristal. Il est au poil. Salaud. Fouf. On a eu très chaud quand même pour le couver.
fut délicat, ça fut délicat. Yeah. J'ai eu peur. Petit ange. J'ai fait un cœur avec les doigts. Une pensée pour Crash. Pourquoi s'embêter? Vous faites le strict minimum et vous repartez après, hein. Bon là c'est une bombe pas à l'eau, hein, évidemment. Ouf. C'est bien les touches directionnelles, mais c'est un peu con. D'accord. On applaudit quand même l'intelligence. Faut applaudir là quand même, bravo. J'applaudis avec la souris parce que c'est un peu difficile de faire autrement. En douter. Oui, j'avais toute la place à gauche, mais je me suis dit, ça va passer. Bah non, tu rigoles. Mon cul, connard. Mais bon, c'est bon, on est passé. J'aime bien le Wumpa qui vole un peu. C'est que j'avais gagné 3 vies et que là je redeviens rien. Enfin, une vie, c'est tout. What? La porte qui semble juste devant moi, mais t'es pas bien. Faut pas me faire peur comme ça, moi. Il ne faut pas me faire peur comme ça. Je n'avais absolument pas le temps de passer, je sais. Il faut parfois prendre son temps. Il m'a bazardé ma Wumpa. Oh là je suis frustré. Ça avait besoin de ma Wumpa. Oh, putain, plus je recommence là, mais c'est génial, c'est fantastique, c'est magnifique, hein, c'est génial. Quand il arrêtera de faire Mumuse l'autre, on pourra peut-être y aller, non? Parce que moi, c'est du coup, il vient vers vous, vous voyez. Avant, il faisait un peu ce qu'il voulait, maintenant, non. Il va plus vers la position que vous allez, c'est plutôt cool. Ça, c'est une vraie nouveauté, ça change. Putain, j'ai cru qu'il allait m'exploser, lui. Et on attend parce que sinon on a... ça sera pas possible. Putain, j'étais prêt à faire le tourbillon, sympa. J'aime beaucoup tes gants, Crash, c'est fun. Je commence à devenir un peu trop un adepte du gant, ça va pas. En même temps là je pouvais rien faire, je pouvais pas aller jusque là-bas. Donc... tout ça pour deux Wumpa en plus, que le type il fait ça pour deux Wumpa, mais il est sérieux. Oui. Le type préfère perdre une vie plutôt que perdre deux Wumpa, c'est... en même temps 5 fruits et légumes par jour, au bout d'un moment faut les prendre, hein. Là je prends tous les fruits pour vous, voyez. Je vous paye votre dose de fruits et légumes. Donc quand je vois du coup, parce que sinon il y en a qui vont se dire mais j'attends encore mes 5 fruits et légumes. Oh va, mais t'es sérieux? En plus faut voir l'eau, quoi. Vous voyez même pas l'eau qui monte, enfin, c'est débile. Putain, je l'ai pas fait. J'aurais dû faire le tourbillon bien, mais ça marche pas. Putain, j'ai même le masque de la loose.
À un moment j'ai ma dose quand même, hein. À un moment j'ai ma dose, c'est marrant, c'est que c'est quand même quasiment à chaque fois une vidéo sur deux. C'est presque une vidéo sur deux, ça devient un peu agaçant, j'avoue. Ah. Par contre, à celles et ceux qui pensent que je vais laisser tous mes essais de... Je vais laisser tous mes tries de reliques, faut pas déconner. Je ferai un peu de montage malheureusement et je vous montrerai les meilleurs moments. Voilà. Donc il y aura peut-être pas forcément beaucoup de fails. Je vous avoue. Ça dépend comment que ça se passe aussi. A voir, hein, parce que voilà, vu comment on en parle, ça peut être catastrophique. Donc on verra. Mieux vaut attendre ici, crash, hein, mieux vaut attendre ici, mais oui, c'est sûr. C'est sûr. Reste, putain, mais je t'ai arrivé comme ça. Ah voilà, oui, j'y vais que vraiment que pour les bons pas. Et voilà, youpi, cool, great, j'ai perdu une vie. On applaudit la connerie. J'aurais vraiment besoin d'un remontant, mais il n'y en a pas. Alors, Stoke, vas-y, sors-toi le cristal du... Voilà, merci Krat. Merci Enzine, c'est gentil, c'est ça. Après le niveau 20, le niveau 19, Future Frenzy. Ouais. Vous sentez le type qui est vachement enthousiaste, hein, voilà, ouais. Et oui, après une vidéo coco, là, ça va être une vidéo crash, hein, je vous le dis, oui. Oh, Rocket. The Rocket. Ronnie O'Sullivan, évidemment. Oh putain, attention ici. Ah oui, oh oui, c'est vrai. Putain, pourquoi... Non, non, bref. Non, non. À chaque fois, j'ai cette chanson dans la tête, ça me va pas. Mais si, la chanson hyper tendancieuse, là, je mets le doigt devant, je me mets le doigt derrière. Voilà. Voilà. Il y a les mêmes sonorités. Alors, vous dire qui c'est qui chantait ça, je sais plus. En effet, c'est putain de tendancieux qu'on y pense. Et ben voilà. C'est pas beau ça, hein, ça change. Bon, allez, on va se lancer un défi dans ce niveau. Ne pas mourir. Ça va nous changer un peu. De se mettre un peu des auto-défis comme ça. On pourrait faire ça alors qu'on peut passer par au-dessus, c'est quoi. D'accord. Ah le salaud, j'ai cru que ça passait. Hop, nouveau checkpoint, c'est nouveau. Attention à toi parce que je sens que tu vas te faire exprès. Ah ça va, on est plutôt bien, ouais, on est plutôt bien. Merde, j'avais fait le double saut pourtant, c'est pas grave. J'avais pas confiance. On va voir si ça explose bien tout, hein, quand même, oui, on sait jamais. Voilà, hop.
Oh la vache. Oh bordel. C'est riche en mon pack, c'est cool. Fou fou fou, c'est bon ça. C'est très bon. Oh t'es sérieux? Ah! Les bonus ne comptent pas. J'ai dit les bonus ne comptent pas. Ah non, c'est pas une vraie mort ça. C'est un bonus. Voilà. Force is better. Tout va bien. Je n'ai pas vu passer le bandicoot. Je n'ai point vu passer le bandicoot. C'est merveilleux. C'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux. Vas-y, crash, pense-toi, ça vaut mieux. Bravo, voilà. Oh là 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 là. Bon, on va essayer d'y arriver cette fois hein, quand même, ouais. Ce serait fun au bout d'un moment. Ce serait alors vraiment fun là. Oh putain. Oh le boulet. Oh le boulet, on n'est pas arrivé, hein, je vous le dis. On est vraiment pas arrivé là. Mais alors vraiment pas là. Toc. Bon ça va peut-être plus, c'est peut-être plus long en effet comme ça. S'emmerder. Je sais pas moi pourquoi s'emmerder, écoutez, bon. Eh bah ça fait 59, c'est cool ça. On va pas gagner tant que ça, mais bon, c'est pas grave. Bon, on oublie pas notre objectif de ne pas mourir dans le niveau principal. Et le cristal. On est plutôt bien pour l'instant, ouais. 76. Attendez. Je vais changer de faire. Ah bien. Baoumpa. Oh putain. Boum, ça se fait. Ah oui c'est vrai, il y a un deuxième Future Frenzy. Eh ben on l'a fait, finir ce niveau sans mourir. Pam pam pam. Ah ça fait du bien, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ah ouais. Ah vous n'imaginez pas quel point là, ça fait plaisir. Ah, bien fait. J'avais oublié d'enregistrer déjà la première fois, c'est pas grave. Alors du coup, nous on est ici. Tell no tales. Tell no tales. Et bah c'est un niveau coco forcément, bah oui.
veulent que je te donne une leçon. J'ai apporté quelques modifications à ma machinerie depuis notre dernière rencontre. Alors dégage ou je t'élimine. Ok. Ok. Bien. Ah mais oui, c'est ce niveau-là. J'aime bien Engine qui apparaît seulement dans le troisième niveau de la zone. C'est cool. On lance sur son territoire, ça aurait été plus simple de... Enfin de... D'avoir dès le début quoi, non? Ça paraît assez logique. Alors je prends ça alors qu'il n'y a même pas besoin. Hop, on est passé, bravo ma coco, t'as réussi à passer, ça change. Tu nous avais pas habitué à ça hein. Que nenni, que nenni, pardon. Ouais, quoi, quoi. Mais quoi, quoi, quoi. Alors, bon. Il y avait donc rien par là, donc on peut alors aller par là. Ah, mince. Je sais pas, il n'y a pas un endroit avec une... Oh la vache. Attention, grenade joyeux Noël quand même. Joyeux anniversaire aussi, c'est pareil. Putain. Coco. Ah, attendez, attendez, attendez. Ça va mieux. Les aléas du direct. On va passer par là, ça sera mieux, au moins on le voit pas. Ouh, ma coco, tu es tout éclaboussé. Ça va pas, hein. Ça va pas. Attention, vieux fou. C'est pas vraiment ce que je voulais, coco, t'exagères là. Hein. Je veux bien être gentil, coco, mais il y a des fois, non. Mais bon. Ah. Cache-toi. Et ne te prends pas un coup de pas. Ah d'accord, bah on a profité de notre invincibilité, écoutez. Alors ça c'est fun. Ah d'accord, bah il y a des villas, c'est génial. Ah c'est vrai qu'il y a un passage secret dans le coin, je crois, c'est ça, ouais. Mais... Ouais. On va pas comprendre, je vous avoue. Non, il est pas là le passage secret en effet. Attendez. Bon, on va passer tranquille, voilà, boum. Attention au requin, gare au requin hein. Alors le checkpoint il est par là, voilà. Putain, attention à l'alpagué. Il nous a pas alpagué donc ça va. Oh putain. Yes. Ça c'est passé, c'est déjà pas mal. Hein. Putain, Coco, t'es une bille. Alors, très bon, ça c'est fait, voilà. Hop, donc on va pouvoir essayer de trouver le trou qu'il y a. Il n'y a pas donc pas normalement le trou à l'origine. Non, bah il doit être un peu plus loin là. Bon, le trou est censé être visible. Ah voilà, il était là. Alors ça franchement faut le savoir. Hein, quoi.
Faut vraiment le savoir qu'il y a un trou là, quoi. Ah bah c'est con, je peux même pas aller plus loin, quoi. Waouh, waouh, waouh. Mais il est pas bien, lui. Oh bordel, oh les boulets. Oh les boulets. Mais on joue avec le feu, ma coco, hein. On aime jouer avec le feu, ma coco, ouais. Vraiment, mais non, genre vraiment, quoi. Ah. What? Alors, attendez, il y a un truc qui doit m'échapper, là, par contre, dans cette zone. Ah oui, voilà, la suite du niveau, elle est par là. Ça, elle est ici. Là j'ai vu peur. J'ai vu rouge avec la bombe, donc... Bon. Et bon. Ouais, on est passé. Incroyable. Waouh, on est passé encore une fois. Mais c'est un festival de surprises. On va de surprise en surprise. Je me fais peur. Et bravo de Coco qui loupe le cristal. Voilà, félicitations. Coco, tu mérites un Oscar là. Oh putain, la grenade, la bombe qui tourne autour de sa... la caisse quoi, c'est bien joué. Oh putain, vous exagérez. C'est bon, ça passe, attention à lui, voilà, voilà où. Plus que 3, plus que 2. Ah, Coco, pourquoi tu veux plus avancer? Ah pardon, excuse-moi, c'était la touche espace. Je me suis dit pourquoi elle avance plus d'un coup, mais non, forcément c'est la touche espace, patate. Oh le nouille. Ah, attention, parce que c'est là que je me foire, ça va être con. C'est bon, on l'a eu, et on peut partir Coco. On peut partir. Oui. Oui. Désolé. Oh, désolé, c'est... ce besoin de s'étirer parfois. Par contre, cette entre-là est vraiment belle. Non, c'est un entre, pas une entre. Donc, une entrée, un entre. C'est ça. C'est beau avec ces flammes et tout, ça rend vraiment bien, quoi. Ça rend bien. Alors du coup, pouf, nous on écrase, hein, voilà, 66 euros, putain de fois, c'était prolifique. 17, bye, oh putain, niveau de merde. Ah, vous sentez le type qui est absolument pas motivé, hein, c'est génial. C'est ça, le type n'est absolument pas motivé. Ah bah les dirigeables. Les digérables. Oh putain, les clics sont inversés. Mais les touches sont inversées, vous êtes drôle, vous. Je m'attendais pas du tout à ce genre de contrôle, vous voyez. Oh putain, faut les comprendre les contrôles. En fait, j'ai l'impression que c'est l'inverse dans l'original. Ce qui du coup me perturbe totalement. Putain, ils sont beaucoup plus chiants que dans l'original. Et comment je fais moi pour... Ah, c'est ça. Par contre, où c'est que je peux trouver un peu de vie, moi, parce que ça devient un peu catastrophique.
Voilà, ça s'est fait, c'est merveilleux, hop. Comment on est en train de les contourner, sérieux? Putain! On a évité le drame, là, vraiment. Ouf, bah heureusement qu'on l'a eu comme ça. Oh putain, c'est quoi ce contrôle de merde? J'ai pas l'habitude. Qui a eu encore une fois l'idée de ces contrôles de merde? J'ai toutes les... Ah, il me manque une caisse. Mais sérieux, il n'y a même pas une distance d'affichage suffisante. Vous êtes vraiment logique là. Il n'y a même pas une distance d'affichage suffisante pour voir la caisse. C'est pas si vous imaginez un peu la logique. En 2018, ils sont pas capables de mettre la caisse dans mon vue quoi. À moins qu'elle soit vraiment cachée, pas du tout. Elle n'était pas cachée donc il n'y avait rien. C'est bon, cool, hop. On a atteint la limite physique du jeu. Bah écoutez, j'ai pas envie de mourir ici, hein, donc voilà. Voilà. Le cristal, il manque une caisse, je sais pas où qu'elle est passée, donc voilà. Oh, de la merde. De la merde, ah, oh non, non, mais c'est... Voilà. On verra ça la fois prochaine, hein. C'est ça. Ou pas. On sent la motivation du type quand même, hein, c'est ça. Et voilà, merci Crash pour ton joli cristal, il est très beau, il est très pointu, bref. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis bye, presque bye. Oui, je vous dis bye bye. Bye bye Crash.